Salut les amis, c'est Bigouf, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans World of Tank Blitz. Aujourd'hui nous allons continuer en route avec les fameux deux chars à gagner dans les comptes de loi. Alors hier on s'était intéressé au fameux M6 A2 E1, le fameux tier 7 que vous pouvez éventuellement débloquer. Aujourd'hui on va s'intéresser à son grand frère, le fameux M6 A2 E1 Exp. Alors donc c'est pour moi, je pense que c'est vraiment le grand frère, hein. De toute façon, déjà, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Là, on voit qu'il a un petit rondin de bois, il a une petite jerrycan sur la tourelle. Bon, ça, c'est des petits détails, hein. Voilà, c'est vraiment pour la décoration du char. Sinon, après, que dire en termes de caractéristiques? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Alors, bien sûr, comme vous dites, c'est un tier 8, forcément, il sera un peu plus costaud que le tier 7, ce qui est quand même logique. On va dire, là, la différence qu'on peut avoir, c'est que comparé au tier 7, on va avoir une efficacité du tir sur le tier 7 qui est de 77%, et là, avec ce tier 8, on va passer quand même à 97%, donc il y a quand même une sacrée différence entre le tier 7 et le tier 8. Après, tout ce qui est protection, donc là, on est à 60 pour du 48 sur le tier 7, la puissance de fond, on est à 54 contre le 47 pour le tier 7, et la maniabilité ne change pas, reste identique pour les deux. Ensuite, bien sûr, comme c'est un tier 8, nous avons 1500 de points de structure comparé à 1300 pour le tier 7. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Après, de toute façon, il sera forcément un petit peu plus puissant en termes de moteur, parce que là, on a un moteur de 1056 chevaux comparé à la version du tier 7 qui est... excusez-moi, de 960, bon bien sûr il est beaucoup plus lourd aussi, celui-ci fait 68 tonnes, l'autre en fait que 66 tonnes, donc on va dire voilà, il récupère, hein, c'est vraiment, voilà, là on fait défiler très rapidement, après dégâts on peut monter jusqu'à 500 de dégâts comparé à son tier 7 que lui peut aller à 398, presque pas loin de 400, donc c'est quand même pas mal, alors voilà, donc c'est vraiment, vraiment cool. Ce qui est dommage, c'est que j'ai des missions en tier 7 et non pas en tier 8. Alors moi, ce que je vais vous proposer, passons, hein, c'est on va partir pour... On va essayer de se faire 3 batailles comme hier avec le fameux M6 A2 E1 Exp. On va voir un petit peu comment il se dépatouille sur le terrain. Et puis, allez, hein, souhaitons-nous bonne chance. Hein, j'espère qu'on fera aussi bien qu'hier. Et on croise les doigts. Allez, c'est parti les amis. J'ai mal à coup, parce que moi j'ai la gorge qui... Nous partons au sable du désert. Et qu'est-ce que nous avons en face? Ok, alors là, quand on regarde, on a quand même 2, 3, on a 3, ouais, 3 premiums. Hein, on en a combien? On en a 1, 2, 2 premiums. Ok, alors nous, on est une majorité de lourds, forcément. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on devrait partir en ville. Bon, par contre, on va peut-être faire gaffe que si les médiums jouent bien leur rôle, ils vont partir... Allez, c'est parti, que le spectacle commence. Voilà. Revenez, ouais, voilà. Alors, temps de rechargement 12 secondes 2. Donc, il reste correct pour un tier 8. Allez, on va voir un peu. Mais vous avez tout à fait compris, bien sûr. Allez, c'est parti. Par contre, il faut quand même faire attention, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous avons les médiums qui vont, voilà. Bibi, fais pas n'importe quoi. Ouais, je vais aller lui donner un coup de main, le KV4, là. Je le sens chaud comme la braise. Bon, apparemment, ils ont un IS-3 qui est en mode AF. Ah non. Nous, voilà. Alors, par contre, intérêt de faire gaffe quand même à celui-là. Oh la vache, par contre, l'équipe, elle est... Hop là, excuse-moi si je me mets devant toi, mais forcément, il me faut des points aussi. Absolument, ouais. Je suis désolé, hein. Il me faut des points, camarade. Hein. Voilà, ça y est, il n'est pas content. Ah d'accord, je comprends, il est pas content parce qu'en fait je me suis mis certainement devant lui. Oui, je suis désolé, tiens, puis je vais... après c'est pas grave, le plaisir c'est de s'abuser. Ah, je l'ai raté. Alors là... Qu'est-ce qu'il fait? Non, il... Ah là... Reste là. Oh le bordel. Alors là franchement... Attendez, je vais peut-être aider mon...
mon collègue là-bas, quand même. Dommage. Dommage. Bon, théoriquement, là, ça devrait le faire. Allez, on va quand même s'assurer qu'il ne soit plus en danger. Voilà. C'est bon. Alors, nous, pour l'instant, on n'a absolument rien perdu. Et ça, c'est cool. Bon, par contre, vraiment, désolé à l'IS-3. Hein, c'est vraiment pas voulu. Hein. Par contre, toi... Ouh là 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 là, que c'est joli. Et... Ah ouais, deux, ok. Allez. Alors par contre, au moins, une vitesse, franchement, c'est... Voilà, bon, ça reste moyen. Après, faut pas oublier, les amis, hein, ça reste quand même un lourd. Hein, c'est ça qu'il faut se dire. Moi, j'adore les lourds, la preuve. Franchement, c'est un super char. Alors, pour la première bataille, voyons voir un petit peu. Bon, en tout cas, bravo à l'équipe. Hein, vous avez super bien joué. Désolé pour l'IS-3, c'était pas voulu. Hein, c'est pas à chercher à piquer tes kills. C'est voilà, on était motivés. Donc, nous, on a fait un 1836 avec 2 kills. On va regarder tout ce qui est crédit. Alors, en dégâts, on en a un petit peu quand même. Ouais, bon, un petit 116 de réparation. Donc, bien sûr, les amis, comme vous le savez, je vais parler... Excusez-moi, j'ai un petit rototo que vous n'avez pas entendu d'ailleurs. Je suis resté humble. on est à 24 692 avec ce tier 8. On va regarder la première expérience pour la première bataille, ce qui est pas mal du tout. Voilà, c'est un super char. Il fait vraiment son rôle. Je pense que pour ceux qui vont se le procurer, ce tier 8, on va peut-être en risquer d'en voir quand même pas mal. Allez, on est reparti tout de suite pour une deuxième battle. La deuxième battle. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Suspense. Un peu long quand même, hein? Ah, ça y est. Ah, alors, nous partons à rail mortel. Très bien. Voilà, ça va être mortel. Ouais, absolument, ouais. Ça va être mortel, les grosses cacahuètes qu'on va essayer d'envoyer. Là, je vais faire gaffe surtout à l'ISU. Ouais, bon, après, bon, de toute façon, il faut faire gaffe à tous les chars. Hein, mais là, on va dire... Alors là, on va partir... Moi, personnellement, partir vers le haut. Hein, on va se servir des bâtiments et de tout ce qui s'ensuit de ce pic. Ouais, en plus, il y a un SU. J'avais pas fait gaffe. Hein, il y a l'ISU et le SU. Absolument, ouais. Allez, c'est parti pour de la bonne grosse cacahuète comme on aime. Alors, on a un Black Price, ça y est, tout le monde a bougé, c'est super. LTTB, T6 Dracula qui sont partis voir si on a du people. Ouais, c'est bon ça. Et nous avons un speak, nous préparons tout de suite la HE. Alors, est-ce que je vais avoir le temps d'en mettre au moins une? Ça, c'est la question. À mon avis, je ne pense pas. Bon, maintenant je peux... Bon, ok, voilà. Alors, donc je disais... ouais, le Tiger 2 qui est là-bas, très bien. Donc apparemment ça va, ils sont tous partis en bas. Donc quand je dis en bas, mes amis, bien sûr, c'est pas au niveau des queulines, hein, c'est pas de ce côté-là. Hein. Pour moi, ça c'est le haut de la carte, ça c'est le bas. Ah, nous, ouh, attendez. Est-ce que par rapport, voilà, j'ai un petit crew qui est là. Oh là, attendez, je vais essayer de... vite, perds pas trop de temps. Oh non, et j'ai raté ce tir. Oh là 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 là. Bigouf, tu veux aller trop vite. Calme-toi. Ah, je vais essayer de vous le montrer quand même, comment dire, en meilleure forme. Mais là, c'est vrai que je veux aller vraiment trop vite et malheureusement, bonjour toi. Ouais, alors, l'IS-6. Allez, on se concentre maintenant. Non, je ne vais pas écraser le bonhomme de neige. Bonjour, toi, comment tu vas? allez, trêve de plaisanterie maintenant. On se concentre. Non, là, l'IS-6, ok, je peux... vous avez vu quand même, j'ai évité le... Ah, alors, lui, par contre, le... Alors, pour l'instant, je mets aucune cacahuète. Oui, ça y est. Aïe, j'en ai mis une. Allez, c'est parti maintenant. On y va. Hop, on englame tout petit peu. Voilà, théoriquement là. Voilà, de toute façon, maintenant, il y a la pierre. Tu ne peux plus m'atteindre. Donc là, on va faire... Voilà. Oh, toi. Oh, ça, c'est bon, ça. Là, je suis dans une bonne position. Il n'y a que la tourelle qui passe. Donc, théoriquement, je suis indestructible. Non, attendez. Attends, reviens. Reviens. Pourquoi tu n'es pas revenu me voir?
Voilà, bon bah il reste plus qu'un IS-6, ok. Bon, ouais, c'est cool en tout cas, là on n'aura absolument rien perdu. Par contre, j'aimerais bien pouvoir remettre au moins une cacahuète quand même pour celle de que j'ai perdue tout à l'heure. Voilà, super. Bon, ok, c'est fait. Bravo l'équipe. Rien à dire, je suis le seul à pas en avoir eu un. Dommage, hein, n'empêche, pour l'autre, hein, je l'ai complètement foiré, j'aurais pu réussir. Mais c'est vrai que je veux en fait être trop vite, trop rapide, et malheureusement, voilà, on a fait un petit score de 1124. Bon, ok, je suis d'accord, regardez leur team, 0, 0, 0, un petit 7 pour le T. Ouais, bon, je suis d'accord. C'est vrai que voilà, mais après, c'est les joueurs aussi, on ne peut pas tout faire. Hein, c'est... L'équilibrage était relativement correct. Après, c'est, voilà, c'est la team en elle-même, ça, on est d'accord. De toute façon, je vous le cache pas que moi aussi, ça m'arrive de tomber dessus, malheureusement, hein, comme nous tous. De toute façon, hein, je suis sûr qu'il n'y en a pas un de vous qui n'est pas passé par ça, par les cases 0. Ben, c'est comme ça, et qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Bon, les amis, allez, on se tente le 3-0. Allez, on est parti pour la troisième. Croisez les doigts du moins. Croise les doigts pour pas avoir de zéro chez nous. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, je dis je croise les doigts, mais ouais, c'est... C'est vrai que je suis pas fan de tout ce qui est player. Je préfère, alors, comme je le dis souvent, bon, je suis pas contre des players, mais c'est vrai que déjà, quand on voit des joueurs avec players, ce sont des comptes qui ont été faits comme ça. On va dire, ils sont... Alors... C'est peut-être dégueulasse ce que je vais dire, mais moi je trouve qu'ils sont un petit peu plus Jean-Foutistes que ceux qui ont des vrais pseudos et tout ça, ceux qui ont vraiment créé leur compte. Allez, c'est parti, on y va. Qui ont vraiment créé leur compte, quoi. Quand je vois des players, j'ai un peu la hantise, donc je vous le cache pas. Après, je ne dis pas que tout, ils sont tous à mettre dans le même sac, hein, ce n'est pas. Voilà, mais il y en a quand même une bonne majorité. Voilà, allez, c'était la petite parenthèse du jour et j'avais envie de vous la dire. Alors, nous, allez, on va. Foncer par là. D'ailleurs, j'ai pas fait vraiment gaffe à ce qu'on avait. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on sait qu'il y a une majorité de lourds. Le T20, il est chaud. Là. Il est chaud patate, le T20. Ok, bon, allez hop. On va avancer en groupe. Ah. Oula. Attention. Oh non, une petite. C'est dommage que les petits bâtiments comme ça se détruisent pas. Oh. Oula, attention. Dommage. Oh, elle était pas loin celle-là. Elle était vraiment pas loin. Attention, l'IS aux comètes. Je te l'ai. Ouais, très bien. Non, je l'ai raté. Alors attendez, moi je vais peut-être voir si je peux me faire quelqu'un d'autre. Pour l'instant, non. Allez, on va avancer. Par contre, on va peut-être se dépêcher parce que je voudrais pas que le comète. Voilà. À Beuillant, ils ont morflé. Ok. Alors là, on va aller chercher tout de suite le Panthère. Apparemment, il a... Ouh, attention, l'IS-3. Ouais. Voilà. Merci, merci. Alors, on va essayer de ne pas reprendre de coups cette fois-ci. Ça a l'air bien, relativement bien parti. Quoique. Attendez. Je sais pas si... Oh là, je vais en prendre une, là. Ouais, on en a pris une petite. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Par contre, là, ouais. Voilà, très bien. Oh, bah, il est parti à la flotte. Bon, bah, écoutez, on va le laisser. Voilà, bonne... Il peut pas... Voilà, très bien. Je vérifiais quand même parce qu'au cas où s'il sortait. Ah là, j'avoue, celle-là, je l'ai pas eu souvent. Bah voilà, je l'ai vu en direct. Donc il nous reste plus qu'un petit avec 4, oui, c'est ça. Et qu'on va aller se faire plaisir. Alors bien sûr, comme vous le savez, comme c'est pas une foudre de guerre, nous profitons un petit peu. Voilà, regardez un peu ce magnifique M6. Ah, un exp. Oh, il est où là? Oh, il est loin. Merci l'IS6 de me le coincer. C'est sympa de ta part. Oh là là, joli. Joli. Ah bah franchement, super. Alors là, 3-0, c'est de toute beauté. Alors là, franchement, en plus, vous les montrez comme ça un petit peu sur le terrain, ça fait vraiment plaisir. On va regarder pour la troisième. Bon, c'est vrai que les scores sont pas
top top quand même. On a fait un petit 1618. Bon, on n'a pas encore fait de kill. On va regarder tout ce qui est crédit. On reste dans le positif, mine de rien. On est quand même à 24 571. Ça fait plaisir. On regarde un petit peu l'expérience. C'est parfait aussi. Bon, allez, vous savez quoi? Allez, c'est vraiment parce que je suis gentil. On va tenter une quatrième battle pour notre plaisir. Bon, je sais pas si on va la gagner, mais au moins, on va la faire. C'est déjà ça. Nous partons au sable du désert. Ok. Alors, AMX 500, Centurion. Donc, ici, on va faire très attention. Ok, ça marche. Allez, là, franchement, on essaie de tout donner. Je vais tout donner, tout donner, tout donner, tout donner. De grosses cacahuètes, cacahuètes. alors là, par contre, on fait gaffe. Bon, nous, on est une majorité de lourds, c'est comme tout à l'heure. C'est parti, mon kiki. Hop, on se prépare les munitions, c'est bon. Ok, ça marche. Alors moi, je suis prêt à tirer. Affirmatif, commandant. On va attendre que... Hop, là, nous, on va se mettre en position de side scrapping au cas où. Voilà, est-ce que nous allons... C'est peut-être dangereux même. Ok, alors le TAK-44, lui, toi, t'y vas, quoi. Toi, tu rigoles pas. Bon, de toute façon, ok. Par contre, tiens, ce qui serait bien, et ça, franchement, alors je sais pas si ça sera peut-être plus tard, hein, là, franchement, j'en ai aucune idée, mais je trouve que ça serait cool qu'il y ait des batailles de nuit, carrément. Alors, je dis pas dans une nuit noire profonde où c'est qu'on voit absolument rien, où c'est que juste les phares de vos chars éclaireront quelque chose, mais genre dans une pénombre, mais je pense que ça pourrait être cool. Alors, je sais pas si avec le temps, ça viendra. Un mystère. Ok, alors là par contre le T29, l'AMX, très bien. D'accord, ok, bon ça marche. Alors je pensais que c'était pas moi que t'étais occupé à regarder. Oh, le T44. Alors, je me concentre un minimum. Voilà, super. Ok. T29 qui est là-bas, donc on se méfie toujours, parce que je pense que nos chers camarades vont certainement... Le T29, fais-moi voir un petit peu... Oh, par contre, attention, le T44, allez, voilà. Voilà, et ça encore, mon cher AMX. Oh là là, j'ai bougé malheureusement, j'aurais pas dû. Ok, bon, là, on va changer de position, on va pas rester là, ça sert à rien, on est en train de se faire prendre à revers. T'inquiète pas, la T15, je suis là. Voilà. Ok. Par contre... Oh la vache, qui c'est qui me spot là? Allez. Non, par contre... Voilà, ça y est. Ah, le saloupio! Là, par contre, on va recharger. Alors, ok. Donc là, on va faire attention. Allez, je vais aller spotter le T44, voilà. Tabounce, très bien. Là, si j'y vais, ça va être dangereux pour moi. Très bien, tu m'as fait que la traque. Oh, oh. Là, par contre, j'ai peut-être intérêt de bouger de là. Sinon, je vais être foutu. Par contre, là, faut vraiment vite m'aider, les gars. Ouais, parce que là, on a un problème. Le T20 est quand même assez mobile. Je fais gaffe au T44 qui va certainement venir à revers. Ok, olé, olé. Oh la vache, ça va piquer. Wouhou! Où ça va piquer? Oh là 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 là, regarde. Oh la vache, ça va être mortel avec lui. Non, mais non, tu me vois pas. Oh, bien joué. Le problème, c'est que la team, le temps qu'elle arrive, malheureusement, voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu un peu ce qu'il a enduré. Enfin, oui, je sais pas si ça se dit. Ce qu'il a subi comme,
Allez, vas-y. Ouais, c'est bon ça. Allez, les gars. Vengez-moi. Voilà, ça c'est parfait. Non, devant toi, le... Attends, tu fais... Tu regardes qui ? Non, mais va te chercher le... Alors ça, c'est ce que je comprends pas. Pourquoi l'IA6 t'es parti à l'ouest alors que t'avais voilà, l'AMX qui était juste en face de toi pour aider ton pote la T15. Mais non, t'as préféré... Oula, t'es mal barré, là. Allez, vengez-moi. Vengez-moi, vengeance. Je réclame vengeance. Bravo, l'équipe. Non, franchement, bien joué. Bah, comme ça, on va voir un petit peu, tiens, on va voir un peu ce que ça va nous coûter avec une destruction cette fois-ci. Ça va peut-être nous coûter cher, d'ailleurs. Salut à toi, Forteresse B52. Alors, voyons voir un petit peu. Eh, mine de rien, en plus, on a eu un zéro dans notre équipe. On a fait 2364, ce qui est quand même pas mal avec une destruction. On va regarder tout ce qui est crédit. Eh, regardez, même avec cette, destruction, très difficile à dire ce mot, on est quand même à 20 095. C'est quand même sympa. On va regarder l'expérience, même cette défaite. Non, franchement, belle, beau travail. Bon, bah, je pense qu'il est approuvé aussi, celui-là, comme son homologue, le tier 7, hein, son petit frère, on va dire. Voilà, les deux, moi, personnellement, j'adore. Je pense que je vais peut-être les jouer assez souvent. Ouais, certainement. En plus, ils sont classe. Ils sont... Bon, je vous cache pas, j'ai une préférence sur le tier 8. Mais bon, de toute façon, hein, les deux, voilà, c'est quasiment les deux mêmes. Hein, sauf qu'il y en a un qui est plus petit, hein, qui est un peu plus gros en termes de puissance de feu. Mais sinon, ça, en point de vue forme, ça reste les mêmes. Bon, les amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo sur le M6 A2A Exp vous aura plu. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à survivre à la dernière bataille, même si la team, bon, on a gagné, c'est principal, mais malheureusement, on n'a pas survécu. C'est dommage quand même. Allez, en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne vous embête pas plus longtemps. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, comme j'aurais pris un plaisir de vous la faire. N'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu, donc restez cool, prenez-vous pas la tête. Si ça ne va pas, changez ou stoppez un petit moment et revenez après. En tout cas, moi, c'est ce que je fais pour ma part. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps. Laissez-moi un petit like, ça sera juste sympa. Pas besoin de commentaires, un petit like, c'est vraiment suffisant pour ma part. Ça me prouve vraiment que vous approuvez ce que je fais pour vous. Voilà, comme je dis, je suis vraiment là pour m'éclater avec vous. Donc, ça me fera vraiment plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur le champ de bataille. Ciao, ciao !